2000, Working Song réalise sur une de ses œuvres les plus importantes, Night Revels of Laoli, qui est une parodie du rouleau traditionnel Night Revels of Anchisai, qui a été réalisé au Xe siècle. Anchisai était un ministre à l'époque Tang, sous le règne de l'empereur Liu, qui était accusé, sur lequel certaines rumeurs couraient, qui visait à renverser le pouvoir de l'empereur. Donc l'empereur missionna deux personnes pour aller espionner le ministre. Les peintres présentèrent leur rapport d'une soirée à espionner le ministre sous la forme de deux peintures, mais le tableau de Zhu a été détruit après la guerre. Il ne reste donc aujourd'hui que le rouleau de soie de Gu Hongzong qui dépeint en cinq différentes scènes le déroulement de la soirée. Dans cette œuvre, Night Revels of Laoli, l'artiste Working Song reprend les cinq scénettes de l'œuvre originale. Une scène d'un concert de musique, ensuite un concert de danse, un moment de détente autour du ministre, un concert de flûte, puis le départ des invités. Et dans chaque scénette, en réalité, on se rend compte qu'il se met en situation en tant qu'observateur, toujours en recul, un peu caché derrière une poubelle, ou vraiment à l'écart. Et dans chaque pièce, on voit qu'il porte un regard très observateur sur la scène en train de se dérouler. Et il porte en fait cette position d'espion culturel qu'on retrouve ici, qui fait pendant, aux côtés de l'espion historique qu'il y avait dans le rouleau original, montre en fait, lui permet de développer ses thèmes de prédilection, c'est-à-dire son regard critique sur la société actuelle de surconsommation en Chine. Donc on voit qu'il glisse des petits éléments justement de surconsommation, de tout ce qui est un peu la référence au capitalisme, on voit des bouteilles de Coca-Cola, ce genre de choses. Et ça lui permet de porter ce regard sur une société où les plaisirs sont mis en avant, mais qui sont des plaisirs factices. En fait, d'une société qui se veut très, très portée sur les plaisirs individuels, sur les plaisirs quotidiens, mais avec ce regard un peu kitsch, un peu grotesque, un peu décalé par rapport à des valeurs qui étaient des valeurs traditionnelles chinoises. Ce rôle d'observateur et cette critique est d'autant plus renforcé par le fait que la personne qui est mise en situation dans le rôle du ministre est le personnage de Laoli, qui était un très grand critique d'art à l'époque, qui avait beaucoup travaillé sur la question de ce regard critique sur la société et tout ce que les artistes avaient à apporter à la société par leur manière de critiquer et d'observer tout ce qui se passait dans cette évolution très rapide des modes de vie contemporains. Et c'est d'autant plus flagrant en fait, dans toutes les positions où il est placé, Laoli a un regard très impassible sur ce qui est en train de se passer. Alors que là, par exemple, on lui masse les pieds, il a beaucoup de femmes autour de lui, mais son visage est très fermé, il a un regard très distancié, et c'est vraiment ce que Working Song met en parallèle et dans sa présence et dans la présence de Laoli, c'est ce regard distancié sur une société qu'il observe avec un regard amusé, mais qu'il ne comprend pas dans cette évolution très rapide et dans cette perte de valeur.